Salut à toutes et à tous, c'est avec une grande joie que je vous accueille pour la nouvelle série sur Imperator Rome. Alors, il n'y a pas beaucoup de défis encore, vu que le jeu n'est pas encore tout à fait encore sorti, et que les défis vont probablement se rajouter au fur et à mesure, comme d'habitude dans les jeux Paradox. J'ai cherché des endroits pour faire des choses très intéressantes, et j'en ai trouvé une qui m'attire particulièrement. Voici le plan. Nous allons, la vignette et le nom de la série a dû vous guider, nous allons essayer de reformer l'Égypte des anciens dieux. À l'heure actuelle, l'Égypte est dirigée par un diadoque, donc un des héritiers d'Alexandre, donc religion hellénique, culture macédonienne, mais évidemment, nous c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut faire, c'est reformer la grande Égypte d'antan, prier Amon, prier Ra et tout ça et tout ça. Donc, on va prendre un pays qui correspond donc à la Nubie, qui s'appelle le Kush, et on va essayer de remonter et de reformer la grande Égypte. Alors lui, il est balèze, lui, il est vraiment vénère. Ce sera pas le seul de nos défis. J'ai fait le tour des défis, et je vous en propose plusieurs. D'une part, il y a un défi donc qui s'appelle un nouvel empire, qui consiste donc à reformer l'ancienne Égypte, et à mettre la règle de succession qu'il y avait à l'époque en Égypte, à savoir les mariages entre frères et sœurs pour garder la pureté du sang. Une fois qu'on aura fait ça, c'est-à-dire, ça va nous prendre du temps déjà, de reformer l'Égypte, ça se trouve on va se faire éclater, mais bref, on va voir. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra essayer de posséder toutes les merveilles du monde avec notre grand empire d'Égypte. Donc j'espère que cette série qui s'annonce difficile et longue probablement va vous plaire. Voilà. Pour ceux qui avaient voté pour Sparte, je n'ai absolument pas oublié vos votes, bien évidemment. La série avec Sparte, elle, continuera en live. Voilà, n'ayez crainte. Mais là, pour la série en épisode tournée en off comme ça, j'ai choisi quelque chose qui m'attirait moi personnellement, parce que c'est quelque chose que je vais faire de longue haleine. Et donc, je préfère avoir des défis qui me motivent, moi, pour faire des choses de longue haleine. Alors, Kush, qu'est-ce que c'est? Une monarchie autocratique. Comme ça, on n'est pas emmerdé. On a des doctrines militaires, civiques, religieuses. Notre religion, c'est la religion kémite. C'est une foi polythéiste, croyance en Ra, en Sekhmet et les autres divinités égyptiennes, en fait. Et notre culture, c'est le merouatique, en sachant que ce groupe-là, fait partie du même groupe que la culture égyptienne. Donc ça nous permettra de reformer l'Égypte. Évidemment, on aurait également pu prendre ce pays-là, qui est de culture, lui, égyptienne, mais c'est un vassal de l'Égypte, et c'est franchement vraiment très très dur et pas très intéressant de commencer pour un premier let's play avec un vassal. Alors, nous sommes donc de la famille Hitti, avec un perso 6-5-4-7, qui est somme toute classique. 444 âmes à l'heure actuelle dans notre belle cité. Notre capitale, je crois, pour l'instant, c'est Meroé. Comme son nom l'indique, vu que nous sommes Meroétiques. Voilà. Notre pays a l'air gros comme ça, mais toute cette partie-là n'est que du désert, évidemment. Nous sommes installés que le long du Nil. Et donc, nous allons partir des sources du Nil pour remonter jusqu'à l'embouchure du Nil, et voilà le titre de la série. Il est expliqué, et ça c'est beau, j'aime bien expliquer les titres de la série. Voilà, bon, sans plus tarder, nous allons jouer en Iron Man. En Iron Man on va se calmer sur l'Iron Man, dans une version presse pas tout à fait 1.00 qui risque encore d'être buggée. Je vais éviter de me mettre des bâtons dans les roues, c'est quoi ça? Ah ça c'est d'accord. On peut avoir l'option Social Justice Warrior et dire à l'époque je veux que mes pays soient mixtes. Ok, ouais, admettons. Bref, on s'en fout, c'est parti. Alors, notre beau pays, il est divisé en plusieurs provinces. Donc on a ici la Nubie, du Meroitique. Boras sera qu'on s'en occupe, la Lodi on va s'en occuper tout de suite, la Lani, Napaten, Nubie méridionale, Nubie septentrionale, c'est très grand la Nubie finalement. On voit qu'ici on a des régiments de Merco,
pourquoi pas. Bon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on produit déjà? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des légumes, c'est déjà pas mal, on a du concombre, on est content. Ah oui, donc nos traditions sont des traditions, comment? Levantines et arabes, et donc on a des bonus, comment? Avec les unités de chameaux, je crois, on verra. Alors ici, il va nous falloir un général, ça c'est sûr. Hop là, ça c'est une certitude. Alors, aperçu du pays, on va voir ça après. On va commencer directement par agresser notre voisin parce qu'on a vraiment pas que ça à foutre. Oula, 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 on se détend. On peut faire quelque chose, je crois. Où est-ce que c'est? C'est là. Alors, ici, dans l'onglet technologie, on peut commencer directement sur coût des fabrications et revendications moins 10%. Hein, je pense que ça, c'est pas une mauvaise idée pour commencer. Allez hop! Voilà, 180. Direct. Ah ouais, ouais, direct, on n'a aucune pitié. Ici, il n'y a pas d'attrition. On est comment là? On a deux types de troupes. On a de la cavalerie lourde et de l'infanterie légère. Ok. Ça me convient. On a 200 balles. On gagne un petit peu d'argent. On va investir 100 balles pour créer un nouveau grenier. Et on va tout de suite recruter ici. Bah peut-être des cohortes d'ailes. Hein. Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Ah merde. Par contre, on n'a pas de on n'a pas de chameau. En fait, ça a quasiment les mêmes bonus, j'ai l'impression que... Archer monté plus 25, archer monté... Ouais, ça n'a pas exactement les mêmes bonus. Je sais pas ce qu'il aura en face, en fait. C'est juste ça qui me fait un peu peur. J'ai pas trop envie de recruter de la cave lourde maintenant, parce que ça coûte quand même la peau du cul, la cave lourde. Enfin, quoique... Bon, allez, peu importe. On est parti. 4 caves lourdes supplémentaires, je pense qu'on est bien déjà. Alors, on peut faire plein de trucs. Déjà, on a des points de puissance religieuse. On a un autre... On peut mettre ici de l'innovation, je sais pas si on a envie. Ici, on pourra pas mettre ça tout de suite. Les routes commerciales, on va attendre pour voir. Il y a des pop affamés. Merde. Vous avez faim, vous. C'est un peu la tristesse. Donc ici, pour qu'il n'ait plus faim, je pense qu'il faut construire tout simplement un grenier. À moins que on parte directement sur une bénédiction d'Isis ici, pour accroître la pop. Je pense qu'on va peut-être commencer comme ça. Ouais, ça a réglé le problème. Ils n'ont plus faim. Maintenant, il y a une famille qui est méprisée, c'est la famille Hamid. Donc il faudrait essayer de placer les Hamid quelque part. J'adore les portraits, ils sont super classe quand même. Alors, les Hamid, je sais pas trop. Est-ce que je peux en mettre au gouvernement? Est-ce qu'on a des quiches? Lui, c'est un peu une quiche. Est-ce qu'on a un Hamid qui est meilleur? Non, clairement pas. Non. Oulala. Ah, bah, par contre, là, voilà, on peut remplacer ce mec par l'Hamid qui est ici. Normalement, ça devrait régler le problème. Et quant à la dernière innovation, je sais pas. Plus de taxes directes. On est comme ça, nous. Bon. Expérience militaire, vu qu'on est en train de recruter, ça me semble pas déconnant. Ici, on a des routes commerciales. On peut pas vraiment s'en servir pour l'instant. On va attendre. Est-ce que j'ai besoin de déplacer des gens? Ah bah de toute façon, même si j'avais besoin de déplacer des gens, ce que j'ai fait me prive de la possibilité de le faire, tout simplement parce que j'ai craqué tous mes points.
Donc pour ce qui est de déplacer les esclaves et de faire un stack ici de 15, on attendra un peu. Je rappelle hein, que le principe de faire un stack de 15, c'est simplement pour avoir un bien de consommation créé ici là. On va le faire au plus vite. Ne vous inquiétez pas, on est déjà 12. Putain, c'est 5 points. C'est 5 points, on peut pas le faire. Okay. Ici, on déclare la guerre, prendre le Méroïque. C'est la guerre contre Alodi. Allez. C'est parti. Voilà, on se fait pas prier, on attend. On n'attend pas. Très joli hein, les unités de type égyptienne comme ça là. Plutôt stylé. Alors, la foi de Petubastis Penamus. Jamais on a vu un homme aussi dévot que Petubastis Penamus. Les locs, je sais pas, vont jusqu'à réclamer à la porte du temple que soient proclamées des festivités en son honneur. Gloire à lui, puissance stab. Ou puissance, puissance religieuse. Non, je vais complètement prendre directement... J'accrois la stab, mais par contre, je suis passé à moins 100 religieux. Bon, c'est pas très grave. Je ne vois pas de force adverse. Ah si, voilà, elles sont en train de se faire. Ici, on commence le siège. Je pense qu'on est trop nombreux pour le siège. C'est pas la peine d'être si nombreux que ça. Non. Je préfère enlever... Je préfère enlever le régiment où il n'y a pas le général, évidemment. Alors ici, est-ce qu'on a... Oui, parfait. On a plus une étoffe. On peut pour l'instant absolument rien en faire, mais voilà. Alors, on peut toujours compter sur Petubastis pour rendre des jugements équitables. Dès lors qu'une médiation est nécessaire, c'est toujours vers lui qu'on se tourne en premier pour... Ok, bah écoute, parfait Petubastis. On est très content que tu réussisses un peu tes trucs. Je vais prendre un peu du gars de base comme ça là. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de se regrouper. De toute façon, nous on n'a rien à craindre hein, a priori à partir du moment où... Ah, il commence vraiment, vraiment pas mal à recruter, ce con. Mais qu'est-ce que vous foutez? Planquez vos miches, putain. On va essayer de se les faire. Par contre, si je veux essayer de me les faire, il me faut absolument un général. Qu'est-ce qu'on a ici? On est en mode charge frontale, oui. Alors, cavalerie lourde d'abord, eux après. Et on va prendre un général. Est-ce qu'on a un amide? Non, pas d'amide. Bon, on va te prendre toi, mec. Voilà. Allez, en avant. La prise de la Lodi devrait pas être trop compliquée, je pense pas en tout cas. Sauf qu'on se fait ouvrir, alors qu'on est beaucoup moins nombreux. Enfin, on est beaucoup plus nombreux qu'eux, mais on se fait ouvrir quand même. On a un véritable problème de morale, on dirait. Défaite. Putain! Bande de boulets, quoi. Arrêtez tout. Regroupez-vous.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que la cité va tomber. On a perdu quelques hommes, c'est pas très grave. En fait, on a lancé le combat. Malheureusement, on n'avait pas, pas le moral. Littéralement. On aurait dû faire attention à ça. Tout ça, on verra plus tard. C'est pas une priorité. Il y a moyen de réussir le siège ici parce que ça commence à être un peu flippant. Parce qu'on n'est pas assez nombreux en fait pour tenir leur armée. Donc j'apprécierais que ça se termine. 42% encore raté. C'est la joie. On perd un petit peu d'argent, mais pas de trop non plus. Ok, super. Bon, bah alors par contre, maintenant, il va falloir se les farcir quand même, hein. Il n'y a pas de secret. Je pensais pas que le moral dans ce jeu était si violent, en fait. Mais si, il l'est vraiment, hein. On a bien vu... Faudrait vraiment qu'on se dépêche, parce qu'on est en train de perdre de la caillasse. J'ai pas envie d'avoir un problème... De ce type-là. Ah. Bah de toute façon on est bloqué là. Ok, bon bah. Ouais, ça va être compliqué. Vaut mieux back. Donc, comme ça c'est moi qui choisis où est-ce que je back. Non, 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 on back là. On se rejoint. J'ai pas voulu souffrir d'attrition en fait en séparant mes troupes et c'était une bêtise. Bon enfin on s'en fout. On apprend à jouer. On est là pour ça. On va se regrouper, on va lui péter les dents. Un don des dieux, qu'est-ce qui se passe? Ah, des gens se sont réunis pour comment? Pour filer de la thune. Bah écoutez, merci. C'est un grand plaisir que je la prends. C'est un grand plaisir que je prends votre argent. Tout à fait. Ok, lui il va essayer de refaire le siège, mais alors le temps qu'il le fasse le siège, nous on aura repris tout ça. Et du coup il n'y aura plus de soucis, je pense. De toute façon, c'est ça l'objectif de guerre. Hein. Donc, il y a moyen que vous bougez le fion, vous, si, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très très sympathique. Allez. Bon, c'était pas la plus propre des guerres, mais ça va quand même être la... comment? Ça va quand même être une guerre gagnée sans grand mal, je pense. 77%, 86%. D'ailleurs, à 86%, ils veulent pas tout perdre par hasard? Si, moi je peux déjà tout prendre en fait. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Ouais. Bah, on prend tout. Puis voilà, hein. Alors, nos ennemis méritent-ils clémence ou pas? Oui. Enfin, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai fait, hein. Je les ai butés. Mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est fait déjà. On a une région qui nous appartient ici. On va essayer de faire le point des armées. Là, on va regrouper tout le monde à la capitale parce que c'est quand même pas ouf. Ici, maintenant, on va essayer de prendre des doctrines. Il me faut une doctrine de type militaire. On va mettre la pause pour ça. Alors, type militaire, moi. Morale des armées plus 10%, je pense que c'est très très bien. Une doctrine civique. Coût des constructions moins 30%, c'est cool quand même. Ouais. Je suis assez fan de ça. Pour l'instant, du commerce, on n'en fait pas. Production des esclaves plus 20% aussi. Parce qu'on va en avoir un paquet des esclaves. Non, pour l'instant, on doit construire des choses. On va prendre ça. Alors, Boras, ici, nous demande de lui vendre des trucs qui pourraient booster leurs archers. Bizarrement, on va dire non.
Recouvrement du moral terrestre, oui. Taxe plus 5%, on aime bien ça. On prend ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merde, Pestu Bastis, il est malade, c'est con. Il était bien sympa, ce Pestu Bastis. Bon, alors ici. Ici, il y a des pierres précieuses. Ah bah ça c'est plutôt sympa, ça. La pierre précieuse, on aime bien, ça. On va essayer d'en envoyer à la capitale des pierres précieuses, je pense. Ça peut être une très très bonne idée. Et il faut 25. Ah, on est qu'à 12, malheureusement. Dommage. Alors ici, on va essayer... Voilà, on va essayer de se répartir tranquillement. On va peut-être préparer du coup un assaut sur ces gens-là, hein, assez rapidement. Alors voilà, 13 000 ici, 7 000 ici seulement. C'est pas terrible. Au niveau de l'argent, on perd de l'argent, dites-moi. J'aime pas bien ça. On va refaire un autre marché sur la capitale. Et on va essayer d'envoyer des pierres précieuses à la capitale, donc, comme je le disais, ça devrait aider aux finances. Vous voyez que du coup, les bâtiments, on les a payés moins cher, et donc ça, c'est bien. Ouais, on envoie des pierres précieuses à la capitale. Quand on en a, les taxes locales sont augmentées de 20%. On serait quand même con de cracher dessus, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... On nous dit que la recherche est en berne, par contre. On n'a pas assez de personnages de type citoyen. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on va s'en passer. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a... Alors là, on a du concombre, on a de la tomate, on a tout ce qu'on veut. Ça rapporte pas énorme, cette histoire. Ici, il y a des épices. C'est pareil, pour l'instant, les épices, on n'en fait pas grand-chose. Quel est le bonus des épices? Revenus commerciaux améliorés. Ouais. Ça peut être quelque chose qui peut être sympa d'envoyer également à la capitale, ça. Ici, on va prendre la dernière doctrine, qui va être niveau de civilisation plus 10, là. Religion d'État, ça me semble bien, moi. Voilà. Et comme on a pris 3 trucs adaptés, on a un bonus ici de plus 1 en toute caractéristique, déjà. Voilà, ça, c'est propre. Et on est... Alors ici, on nous dit qu'on est en train de prendre de l'attrition, malheureusement. On va aller ici. Ici, il y a 25 de ravitaillement. On n'aura pas de problème. Bien. L'Alodi, c'est fait. De toute façon, le but pour attaquer l'Egypte, ça va être de se renforcer avant. Hein. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas y aller comme ça. Les mecs, ils ont énormément de forces, de troupes, de tout ce que vous voulez. Donc... Ici, les gens, en plus, avaient la bonne culture et la bonne religion, ce qui est une très bonne idée. Très bonne initiative de leur part. Taxe locale plus 10, ok. Donc ici aussi, ça peut être sympa d'essayer d'avoir... Ouais, j'aimerais bien avoir des étoffes, en fait. On en est loin, malheureusement. Hein. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah, bah si, on peut. On peut, mais ça va nous coûter plus de 100 points en civique. Mais il y a moyen qu'on développe des étoffes ici. Et après, qu'on envoie donc les étoffes à la capitale. Ah bah non, ça sert à rien, on en produit déjà des étoffes. Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de regarder un petit peu ce que je faisais. Avoir des étoffes supplémentaires ici ne nous sert pas. Ici, par contre, avoir du bétail, c'est pas déconnant. Par contre, il faudrait vraiment déplacer tout le monde, quoi. Bon, quoique... Quoique, je pourrais envoyer les gens ici, hein. Ce serait pas si dérangeant que ça, hein, Kyrgus. Le bétail, c'est bien, parce que du coup, ça vous permet d'avoir...
Une croissance de la pop améliorée, quoi. Sachant qu'on a déjà un plus 1, là. Ouais. Du bois. Off. Ah, c'est plus pour chaque surplus. Pour chaque surplus, plus 5% de taxes locales. Ah, si, c'est pas déconnant, si. Ça peut être très très bien, effectivement, d'envoyer encore plus d'étoffes là-bas. On va faire ça. On va envoyer tous les mecs qu'on va pouvoir à Napata. C'est parti. Ok, bon, il y a des gens qui se menacent, on n'a pas grand-chose à foutre. 9. Non, je ne te vends rien à toi parce que je vais t'attaquer. Napata. 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 On en a combien là? 12. Allez, on y croit. C'est bon, nickel. Qu'est-ce qui se passe ici? Massiva à la Russe, par sa grande adresse et les choses d'argent, a procédé à des changements au trésor. Magnifique. Il mérite d'en bénéficier. Non, magnifique. Ok, super. Donc là, on a un surplus supplémentaire de taxes locales ici. Ça me semble extrêmement rentable. On est rendu à plus 1,30, c'est pas mal. C'est pas dingue, mais c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il y a des soucis avec ma succession. C'est qui ma succession? C'est lui. Hein. 52 ans, 41 ans. Ah, mais c'est parce que j'ai pas d'enfant, peut-être. Ah, c'est ma fille! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un truc qu'on avait besoin de faire, je crois. On va afficher les lois, et puis je vais aller faire ça, le mariage consanguin. Ce type de succession fait que l'enfant aîné du dirigeant est l'héritier présomptif, quel que soit son genre. Afin de veiller à la conservation de la légitimité forte, il est devenu commun pour les enfants royaux de se marier entre eux, prévenant ainsi que la lignée soit souillée d'un sang inférieur. Mais c'est pas systématique, hein. Donc du coup, ça, c'est plutôt cool. Par contre, il faut payer 250 points en oratoire. Mais comme ça, je n'aurai pas de problème avec ma succession. Alors, l'impatience est une vertu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Massiva Penamus se montre de plus en plus impatient ces derniers temps. Il est persuadé que son statut lui mérite d'occuper une fonction plus importante dans le gouvernement. Bah, c'est vrai que t'es pas mauvais, mec, hein. Il en fait une demande. Alors, ok. Massiva Penamus. 8 en charisme. Est-ce qu'on a quelqu'un qu'on peut virer? Ouais, ils ont aussi 8 en charisme, donc il est bien gentil, machin, mais. Éventuellement, on peut prendre la place de ce mec-là. Voilà, ça m'évitera d'avoir un personnage déloyal. Dès le début de la partie, ça m'embêterait quand même. Alors, par contre, la bonne nouvelle maintenant, c'est que maintenant qu'on a cette zone-là, on va pouvoir recruter des chameaux. Parce que pour l'instant, on n'avait pas de. Enfin, on n'avait personne en cohorte d'ailes ici. Donc, on n'avait personne pour attaquer les ailes. Et ça, c'est un peu triste. Est-ce que je peux recruter du chameau? On peut recruter du chameau. Excellent. Ça coûte la peau du cul, par contre, le chameau. C'est picote. Hein. On peut pas voir les stats des chameaux. On peut pas voir les stats des chameaux. Bon. On va en prendre un ou deux.
Donc lui, il est très content de sa... comment? De sa fonction, il nous file de l'argent. Bah, du coup, on va prendre qu'un seul chameau. Deux chameaux. On prend deux chameaux. Et on rajoute encore un marché dans la ville principale. Parfait. Ah mais c'est vrai qu'on les paye moins cher les marchés, suis-je con. Ici c'est pareil, j'apprécierais... Alors, quantité de cohortes que cette armée tentera de disposer sur les ailes. 5, ok. Deux, cinq, oui, cinq pour l'instant. Ça me semble bien, cinq. Vous deux, par exemple. Et vous, ce sera cinq. On va prendre plus de chameaux que ça. Et on va se préparer, du coup, à essayer d'attaquer... Le voisin ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On peut prendre une innovation. Très bonne idée. Revenus commerciaux, production des tribaux, amélioration, rien à foutre. Ça pourquoi pas éventuellement. Présage. Plus 23% de taxes. C'est parti, on va faire un peu d'argent. Alors, on a toujours une route ici qui n'est pas attribuée. Réduit le coût des armées, ouais, bof. Ça revient, enfin, c'est pas très pertinent. Enfin, je trouve pas ça très pertinent, en fait. C'est ici qu'il faudrait que j'envoie des gens pour récolter un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Il crève la dalle ou quoi? Putain, il crève la dalle, c'est con. Merde. Ouais, ça c'est un peu la tuile. Il me faut 70 balles. Je suis loin de les avoir. Ouais, là j'ai fait un peu le con. J'ai fait un tout petit peu le con. Alors, c'est pas... Enfin, c'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas trop grave. On va essayer de faire bouger les gens. Tiens, tu veux aller à Guo, toi, s'il te plaît? Il crève toujours la dalle. Tristesse. Ah, peut-être qu'on peut par contre faire autre chose. Ici, ils ont un surplus de bétail pourtant. Mais ils n'ont pas de route commerciale. Pour 50 points, je peux changer et mettre le développement du commerce ici. Ça fait chier de payer 50 points pour ça, mais maintenant on a une route commerciale. Ça veut dire que derrière on peut peut-être importer, par exemple, du bétail qui vient d'Alodi. Donc ça, ça doit normalement. Bah, ça aurait dû régler le problème. Et mais ça l'a pas réglé, donc du coup, c'est qu'il il crevait vraiment, vraiment beaucoup la dalle. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Moins 0,02. Chaque mois, elle perd 0,1%. Putain. On a une autre fille. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Alors, on peut consacrer de l'argent pour restaurer un temple ou dire non. Ah, ma femme est morte en couche, putain. Quelle tristesse. Ouais, il faut arranger un mariage, du coup. On va essayer de prendre une femme... Il y a beaucoup de points comme ça.
Lysandra, là, par exemple. Ça peut être très cool. Non, c'est beaucoup de points comme ça qu'il me faudrait. Aristomache, 28 ans. Éloquente, irréfléchie, chaste et stupide. Ah. Ouais, c'est pas dingue. Enfin, c'est-à-dire nonchalante, bienveillante, satisfaite et arbitraire. Au pire, c'est peut-être mieux équilibré, ça. Bon, allez. Voilà, on va faire un mariage comme ça. Bah, reprenons. Et ici, elle perd 0,7 de ses membres. Ouais, ça, c'est vraiment. Là, il crève vraiment la dalle, par contre. C'est vraiment, vraiment triste. Bon, il faut pas que ça retarde nos avancées en attendant nous, hein. Ici. Ça nous empêche pas de faire une revendication et d'essayer de partir en guerre. Ah, il y a lié à. Comment? Il y a lié au pays d'en dessous, lui, ça va être un petit peu chaud. Ça va être chaud. Ouais. Enfin, ça va être chaud. Ça se fait, hein, mais ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Comment je fais? Faut que je déplace ces cons. Tu veux pas la courroux? Putain, trop cher, beaucoup trop cher. Tu rigoles ou quoi? Oh putain, c'est 20 points le déplacement. Je préfère encore que tu crèves, mec. Je suis désolé, hein, mais je craque pas 20 points comme ça, quoi. C'est inutile d'y penser, quoi. Bon. En avant. Il y a fort à parier qu'il soit plus fort que moi. Hein. Donc je vais essayer de mener une guerre très rapide pour aller chercher cette province-là, qui est la province capitale, et je vais essayer d'avancer un tout petit peu. On va pas essayer comment, de tout écraser en une fois, de toute façon on n'y arrivera pas. On va essayer de le faire en plusieurs fois. Et on verra bien comment ça tourne. Ça dure longtemps ça. Ah, ça c'est bientôt terminé. Il faut absolument que j'économise ici ça. Je vais économiser pour pouvoir refaire un truc pour comment, demander une bénédiction à comment, à Isis, pour que mes gens puissent manger. Parce que pour l'instant, c'est pas glorieux, glorieux. Ici, on peut vendre quoi? On peut vendre des légumes parce qu'on en a vraiment rien à foutre des légumes. Mais personne ne veut de nos légumes, malheureusement. Ça, c'est un peu triste, mais c'est ainsi. Bref, c'est la guerre, tas de cons. Oui. C'est la guerre. Hop et hop, directement. Ici, on va prendre une attrition porcine parce qu'on va se battre dans le désert. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. À un moment, on n'a pas trop le choix. Donc, le but est bien de prendre cette cité-là. Hein. Si on peut prendre tout ça, déjà, on sera bien. D'autant plus qu'ils sont deux pays contre nous. On a du surplus, c'est pas mal. En plus, si on gagne une guerre contre eux, on pourra comment? On pourra leur taxer de l'argent et éventuellement construire des greniers ici et ici parce que les gens vont toujours mourir de faim. J'ai l'impression que c'est sec, dit-il en se baladant dans le désert. C'est étonnant, quand même. Trouvez pas, vous? On n'a rien à bouffer ici. Regardez, ça a pourtant l'air sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Guerre, recherche en Berne. Oui, bah, j'y peux rien pour l'instant. Enfin, j'y peux probablement quelque chose. Il faudrait simplement plus de personnages, mais. J'ai pas envie pour l'instant. C'est surtout ça, en fait. Okay, faut vraiment faire une guerre éclair, hein, on peut pas trop se permettre d'attendre. On prend. Prend cher. On prend vraiment très très cher à cause de l'attrition, mais on n'y peut rien.
Ouais, si je peux là, en cas de problème, je peux renforcer direct, on va rester comme ça. Inutile de se mettre à 20 000 là-dessus, là. Ça me semble pas correct. Putain, je perds 300 hommes par... 300 hommes par mois, à peu près. Ça pique. Ah, pause, on peut prendre une innovation. Bof. Investissement dans les technologies militaires, plutôt. Hop. On reprend. On arrêtera cet épisode après cette guerre, je pense. Comme premier épisode de la série, on aura déjà bien avancé, c'est cool. Si on se fait pas défoncer, évidemment. Il s'agit d'être... d'être extrêmement rapide, parce que malheureusement... Je sais pas pourquoi. Alors, soit ma touche espace est défoncée, soit ce jeu, une fois sur deux, il comprend pas que vous avez appuyé sur espace pour mettre la pause. Ah merde, j'ai un fils. C'est pas ce que je souhaite. Hein. On avait dit qu'on voulait que ce soit les filles qui dirigent chez nous. Attends. Pourquoi c'est le vieux, mon héritier? D'où c'est lui, mon héritier? Ah, parce qu'il est membre de ma famille. Ouais, on va changer ça, vous inquiétez pas. On va changer ça très 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 vite. C'est bon, personne n'est mort ici? Personne n'est mort. Personne n'est mort. Bon, ça va pas tarder par contre, mais... Normalement, quand on sera 200 ici, on pourra directement relancer une bénédiction d'Isis. Allez, 21%, non, raté, dommage. Dommage, dommage, en plus il n'y a pas de brèche. Parce qu'en fait, là, s'ils se regroupent eux deux, là, il y a quand même bien moyen de se retrouver dans la merde. Hein, je vous cache pas que ça me rend moyennement joie, cette situation d'une alliance avec ces deux personnages, mais... De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance par là, on n'a pas d'autre option. Si on veut grossir pour pouvoir reprendre l'Egypte, oui, yes, ça c'est cool, 35% qui est tombé. Ça c'est très 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 cool. On va continuer d'avancer. Si jamais je vois une armée ennemie, je mets la pause directe. Donc vous voyez, on a conquis un fort, du coup toutes les provinces aux alentours vont être conquises également. Alors, ma femme motive l'armée. C'est très très bien ça, le moral des troupes commençait à flancher alors que Thaïs et Zanid a pris la décision de paraître devant les hommes pour prononcer un discours et les inspirer. Elle gagne en popularité et le moral des armées s'en ressent, parfait. Très très belle opération. Pour l'instant, je vois pas de troupes adverses. On continue d'avancer, on continue de prendre de l'attrition porcine. C'est pareil, hein. Si jamais on prend trop d'attrition, on aura... ah ouais, voilà. Voilà, voilà. Là, ils sont 7000 et 4000. Ouais. Comment ça va se passer, cette histoire? J'en sais rien. Après, si on peut directement aller chercher cette forteresse, c'est cool aussi. C'est bon, ce machin? Ah non, c'est toujours pas bon. Ah non! C'est beaucoup plus long que je le pensais, quelle tristesse. Ok, donc là on est... d'accord, on va arriver en décalé. Là on va arriver, mais on est beaucoup plus nombreux qu'eux. D'après le petit truc qui est vert ici, ça veut dire que normalement ça va bien se passer, cette histoire, normalement. Hein. Donc là, nous, déjà, on envoie... Il a quoi? Il a de la cave lourde aussi, lui? Non, c'est moi qui ai de la cave lourde. Lui, il a rien du tout. C'est un trou de balle. On l'éclate, voilà. Éclaté, parfait. On va aller là, sur la capitale. Ici, il faut vraiment que les renforts arrivent, par contre. Ce serait quand même bien. Excellent. Pas excellent. Pas excellent du tout. Il y a 12 000 hommes qui viennent de popper. Ouais, ça va être la violence. On va essayer de négocier la paix. Ça va être la violence totale.
Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on peut prendre là. C'est-à-dire jusque là, là, déjà. Et on va prendre leur argent. Voilà, on prend 66 et on prend tout ça. Je vais pas me lancer dans une bataille 11 000 contre 11 000 ici qui me semble vraiment trop dangereuse. Je pense que déjà on a fait une belle percée là. Parfait. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas d'attrition dans le coin où c'est vraiment tout pourri? C'est vraiment tout pourri de A à Z. Super. Eh bah tout le monde se casse, tout le monde retourne à la capitale. Allez. Arrêtez tout. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a de l'argent. On a assez d'argent pour mettre un... construire un grenier ici. Ici, on va nous dire qu'il va nous manquer un gouverneur. Trouvons un gouverneur capable. Il est... oui. Oui, 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 pourquoi pas. Ouais. Bienvenue, gouverneur. On va rentrer à la maison. On va reformer les troupes. Ouais, je sais que des pops sont affamés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous arrêtez de me casser les pieds avec ça. J'ai plus ou moins remarqué qu'ils étaient affamés, les pops. Pas déplacé, non, je voudrais en promouvoir certaines. Là, on en promouvoit. On en promeut. 3. Des esclaves, j'en promeux pas, par contre. Voilà, on me dit plus que ma... comment? On me dit plus que ma recherche est en berne. Ça, c'est plutôt cool, déjà. Ok, on se fait déjà beaucoup plus d'argent. La capitale se trouve ici, dans cette petite cité. C'est une capitale temporaire, hein. On voit qu'il n'y a absolument rien dedans, d'ailleurs. Mais enfin, peu importe, ça fait quand même du pognon. Non, je ne vous vends rien, que ce soit clair. Je ne vous vends absolument rien. Ils sont costauds quand même. Hein. Par contre, avec ce qu'il vient de perdre, est-ce qu'il pourra maintenir le nombre de troupes qu'il a? Je ne sais pas. Bon. Le grenier là-bas est terminé. On va en construire un aussi ici. Avant que ça décède vraiment. Ici, on a plein d'esclaves et ça, c'est bien cool. Et ça fait déjà 47 minutes qu'on joue. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Hein. Le but, donc, je vous le rappelle, effectivement, de reformer la Grande Égypte et... comment? Et remettre l'ancienne foi avec les anciens dieux et tout, ça devrait être complètement stylé. Et après, faire les merveilles du monde. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu original, parce que franchement, toutes les personnes que vous allez voir jouer à ça vont jouer des Français, ils vont jouer Rome, ils vont peut-être jouer des Grecs, et puis ça va être tout, quoi. Donc voilà, au moins là, vous avez quelque chose qui va, j'espère, comment vous être un petit peu exotique. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis on se retrouve très très bientôt pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye bye les gens!